Voici le démo de Miguel Doucet. Il y a du nouveau chez Tim Hortons. Les sandwichs sur pain baguette, format régulier ou maxi, les sandwichs Tim Hortons sur baguette satisferont tous les appétits. Essayez le sandwich à la salade de poulet sur maxi baguette, un beignet et un café format moyen pour seulement 5,59 $. Ça, c'est du Tim comme je l'aime. Il faut de l'énergie pour produire de l'énergie. Suncor y a pensé. De l'énergie pour découvrir et mettre à profit les énormes provisions canadiennes de pétrole ordinaire. Suncor y croit fermement. De l'énergie pour perfectionner la technologie des sables pétrolifères, pour augmenter la production d'huile lourde et pour améliorer le rendement des raffineries. Suncor prend les engagements de taille dans tous ces domaines parce que nous savons que c'est le genre d'énergie qu'il faut déployer pour assurer l'autonomie énergétique du Canada. Suncor, pour les solutions qui s'imposent. Elle m'a séduite. Elle m'a séduite par son parfum. 007 de Chanel. L'autre jour, mon chien me dit « Un sofa du salon, là, il fait dur. Je couche plus dessus, là, faut le changer. » Alors, je suis allé chez IKEA. J'arrive, puis je vois une pancarte « Canapé à la carte ». Je commande un canapé avec des pois verts. Le gars me dit « Les canapés IKEA, monsieur, ça se mange pas, c'est des sofas. » Là, je dis « OK, alors un sofa avec des pois rouges? » Il me dit « vous avez bon goût, mais il y a aussi des fleuris, puis des rayés. Il y a 10 motifs en tissu, 6 teintes de cuir, il y a plus de 50 choix, puis on vous le garnit à votre goût. » Là, je tombe sur un canapé motif jungle tropical. Je dis à mon chien, là, franchement, les perroquets sur le sofa, IKEA va un peu loin. Ouf! Un peu loin? IKEA livre partout dans le monde dans les 6 semaines. C'est vrai, ça. IKEA, c'est pratique. Grâce à la générosité des donateurs canadiens, la Croix-Rouge offre une aide humanitaire rapide et efficace ici comme ailleurs. Que ce soit en zone de conflit, à la suite de catastrophes naturelles ou par des soins de santé, la Croix-Rouge canadienne répond aux urgences des collectivités dans le besoin. Pour plus d'informations ou pour faire un don en ligne, visitez croixrouge.ca. Ce que nous appelons communément électricité est en réalité de l'énergie électrique. Pour comprendre son comportement, il faut pénétrer dans la structure de la matière. L'atome est constitué d'un noyau entouré d'un nombre précis d'électrons. Un électron est une particule à charge négative qui tourne autour de son noyau un peu comme un satellite autour de la Terre. Dans certains métaux, tels que le cuivre et l'aluminium, les atomes peuvent facilement s'échanger leurs électrons. On dit de ces métaux qu'ils sont conducteurs. D'autres substances, comme la céramique, ont des atomes qui ne se partagent pas facilement. On dit de ces substances qu'elles sont isolantes. Et lorsque des électrons se déplacent, on dit qu'il y a courant électrique. C'est l'effet domino de ce mouvement d'électrons, le long d'un conducteur, qui permet de faire circuler l'énergie électrique jusque chez vous.